Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le paddock de Sepang pour vivre la 14e manche de ce championnat de Formule 1 2016. Et vous allez le voir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Bonjour, content de vous revoir. L'usine a envoyé les pièces qui semblaient prometteuses sur le simulateur. On est en train de les installer. Voici le rapport. Et après deux grands prix tonitruants pour Alonso et pour nous-mêmes, eh bien, on passe désormais du côté de la Malaisie pour un grand prix qui s'annonce aussi disputé et tonitruant avec en plus des améliorations techniques sur la McLaren. Il est temps de commencer la première séance du week-end. Ce sont les essais du Grand Prix de Malaisie. Alors bien sûr, il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement? Quelles sont les conditions sur le circuit? Ce genre de truc. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bien joué! On dirait que tu commences à connaître le circuit. On va essayer de peaufiner les virages. Si tu enchaînes plusieurs virages de suite, tu gagneras des points bonus. Début des hostilités, vendredi matin, la séance d'essais libres qui se passe sous un soleil plutôt relatif. On en profite pour prendre un maximum de points de recherche pour développer notre McLaren qui est dans une phase absolument incroyable. Après un Grand Prix de Monza et un Alonso surprenant, une confirmation du côté de Singapour, eh bien on s'attend ici à être encore une fois sur le devant de la scène du côté de chez McLaren et on espère que ce sera comme ça jusqu'en fin de saison, de quoi être de bon augure pour la saison qui suivra. En tout cas, pour nous, pas encore de contrat pour l'année prochaine, on verra ce que nous proposera la dirigeance de McLaren. En ce qui concerne le week-end malais proprement dit, on commence avec une découverte du circuit qui se passe sans gros soucis. On arrive à reconnaître bien les emplacements assez rapidement et les nombreux points vont nous servir puisqu'on va bientôt arriver au terme du développement de cette McLaren. On va bientôt arrêter le développement, peut-être du côté de Suzuka. Le prochain Grand Prix, on verra si les améliorations continuent de porter leurs fruits ou si on doit tout simplement stopper. Vous le voyez ici, on a une petite coupure, on a raté un portique, un portail. Dans les nombreux qui composent ce circuit ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de points à prendre comparé à d'autres circuits. On est entre 200 et 300 points. Ici, il y a 445 points. On va de nouveau se louper ici. Mais bon, un circuit qui est assez technique, qui ne convient pas forcément à la McLaren et son train avant assez baladeur. Surtout qu'on est chaussé en pneus hard, les pneus que l'on devrait normalement monter le plus souvent ce week-end et pendant la course. De quoi peut-être risquer une stratégie avec un arrêt de moins. Mais on a encore le temps d'en parler. Le Grand Prix de Malaisie, c'est un circuit mythique qui a longtemps été placé en début de saison et qui désormais continue dans la tournée asiatique après la phase européenne du championnat. Vous le voyez, la fin de cette séance d'essai libre 1 avec un Fernando Alonso de nouveau très véloce et les Ferrari qui sont désormais bien installés devant les Mercedes en termes de performance. C'est indéniable. Quant à nous, eh bien, on termine un petit peu plus loin dans cette séance. Parlons de la deuxième partie de la journée, le vendredi après-midi. Les trompes d'eau nous empêchent de travailler. On a quand même tenté notre chance pour apprendre un petit peu la piste en cas de pluie, même s'il n'y a pas vraiment de menace pour la course. Il est toujours bon d'avoir un petit ressenti du comportement de la voiture avec les conditions pluvieuses. Et on découvre donc tout de suite le classement général avec un Alonso qui a été absolument somptueux en étant eh bien, à 6 centièmes de seconde de Raikkonen avec les pneus wet. C'est plutôt pas mal, les Haas sont en bonne forme, ainsi que les Manor qui sont bien placés. Au passage, les Manor eh bien, sont en train ce week-end de fêter un petit peu leur sponsor malais. Vous savez qu'il y a une très belle association entre Manor et Mercedes AMG. Et pour cela, eh bien, on a des livrées un petit peu différentes pour les Manor. Mais ne vous inquiétez pas, vous les reconnaîtrez rapidement. Elles sont rouges et blanches désormais, suite à un contrat pour un sponsor unique lors de ce Grand Prix. Vous retrouverez les couleurs bleues et rouges des voitures d'Esteban Ocon et de Pascal Wehrlein dès le prochain Grand Prix à Suzuka. On continue le samedi matin. Vous le voyez, le soleil est revenu sur la piste de Sepang qui a été un petit peu retravaillé, resurfacé, mais qui reste extrêmement bosselé et piégeuse. Et on pourra le constater au fur et à mesure du week-end. Un secteur qui convient pas bien à la McLaren, c'est le deuxième, on le voit ici. En plus, elle est contrainte d'être gênée par l'une des Haas. Les Haas qui, vous le voyez, voilà, sont en plein milieu de la piste. Je ne sais pas
d'ici vous dire qui était le pilote de cette monoplace, mais il a été assez embêtant pour l'ami Stoffel qui va presque le percuter alors qu'il est en pleine tentative de battre le record du tour, mais on ne va pas s'attarder trop longtemps du côté de chez McLaren sur la recherche des points avec ce genre de performance parce que on est à la limite de réussir ces exercices et on va plus conserver les pneumatiques. Voilà, de nouveau avec la A cette fois-ci, voilà, on parvient à la dépasser du côté de chez McLaren, mais vous le voyez, un secteur très compliqué et ça va limite repasser derrière pour la monoplace américaine. Voilà, on va faire un bilan rapide de la troisième séance d'essais libres, donc un week-end qui commence de manière plutôt moyenne pour McLaren, surtout pour Stoffel Vandoorne. Par contre, du côté de Fernando Alonso, c'est la folie, on est on fire du côté du pilote espagnol, alors que vous le voyez, on finit par se battre avec Romain Grosjean à plusieurs reprises, mais on finit finalement par passer la ligne et objectif atteint. Pour Stoffel, la fin de la troisième séance d'essai libre, vous le voyez avec un classement assez classique, pas de surprise si ce n'est le léger retrait de Lewis Hamilton. On va voir désormais ce que donnent les séances qualificatives. Ah, je cherchais. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Et après avoir mis la carrière de Sébastien Vettel en péril en le battant, c'est désormais Nico Rosberg qui est désigné comme notre rival dans cette saison 2016. En attendant, place aux objectifs de qualif. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Et nous devrons donc nous placer quatrième. Bienvenue au Grand Prix de Malaisie. Il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure des qualifications. Quel type de réglage les pilotes vont-ils rechercher sur un circuit comme celui-ci, avec ses virages plutôt complexes? Est-ce simplement une question d'équilibre? Il est très facile d'être rapide en ligne droite. Il suffit de sacrifier l'appui aérodynamique. Mais sur un circuit comme celui-là, on a vraiment besoin d'adhérence à l'avant, ce qui va de pair avec l'appui. Maintenant, c'est évident qu'il ne sert à rien de tout miser sur la charge aérodynamique si c'est pour se faire dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Et on déclenche notre chronomètre dans cette première séance qualificative du samedi. On va voir ce que cela peut donner alors que le soleil se couche et nous pose quelques petits soucis de visibilité au bout de la ligne droite principale des box. Effectivement, on ne voit pas grand-chose. On continue dans cette première partie avec les pneus soft. Alors au niveau des pneumatiques, ça risque d'être assez compliqué ce week-end pour nous. En tout cas, on devrait avoir une stratégie qui nous ferait passer un train de pneus soft et ensuite deux trains de pneus durs. Et l'objectif de se placer du côté de la Q3 et de la quatrième place va être bien compliqué à obtenir avec cette McLaren. On poursuit un tour qui est pour l'instant correct, alors que c'est Pascal Wehrlein avec sa Manor qui s'empare du meilleur temps, battu in extremis par Romain Grosjean, le français. Massa désormais avec la Williams et on va avoir les premiers passages avant que l'on puisse commencer à déterminer qui sera droppé de cette première partie de qualification. Alors que notre tour se passe pour l'instant sans difficulté, on est en avance sur le meilleur temps qu'avait inscrit jusque-là Romain Grosjean, c'est désormais Sainz en 1:38.736 qui est le plus rapide. Et nous, on devrait normalement ne pas avoir trop de difficultés à s'extraire ici. Mais voilà, la petite erreur qui va souvent arriver dans ce virage est la collecte de marbles. Ce que notre ami Daniil Kvyat, le pilote russe, appelle des octopus qui viennent se coller sur ses pneumatiques. Puisque les morceaux de gomme ressemblent un petit peu à des petits poulpes. Et de nouveau un blocage de roue, vous voyez que ça n'est pas si simple de rentrer un chrono rapide malgré qu'on est en pneu tendre du côté de chez McLaren, ou du moins pour Stoffel Vandoorne. Le verdict de cette Q1, alors qu'on rentre le premier temps provisoire, mais vous allez voir, ça ne va pas durer du côté de chez Stoffel, et c'est Fernando Alonso, rendez-vous compte, qui est le pilote le plus rapide de cette qualification. En termes d'éliminés de marque, on notera notamment Valtteri Bottas et la Williams. Pourtant, cette voiture devait être l'une des plus véloces avec les nombreuses lignes droites ici. On sait que cette machine est particulièrement friande des circuits rapides. Et on verra bien si Felipe Massa pourra redresser la barre alors que Bottas lui est éliminé. En ce qui concerne McLaren, les deux voitures sont bien passées avec un Alonso extrêmement en forme depuis quelques Grands Prix, depuis qu'il a été destitué de son titre de premier pilote au sein de McLaren. Le pilote espagnol s'est réveillé et il faut dire aussi que les améliorations placent McLaren deuxième derrière Ferrari en termes de recherche et développement, ce qui veut dire tout simplement que Mercedes est en retard. On continue avec cette Q2 qui devrait normalement ne pas poser de problème, mais du côté de chez Stoffel Vandoorne, on a opté pour une autre stratégie, c'est-à-dire une fois de plus sacrifier la qualification dans le but d'accéder à la Q3 avec pourquoi pas un pneu un peu plus dur et ainsi gagner un arrêt en course.
Ce n'est pas la première fois cette année qu'il tente le coup, il l'a fait à Monaco, c'est la seule fois où ça a réussi. Les autres fois, ça a été plutôt une désillusion. On va voir ce que cela donne, peut-être est-ce la fin déjà des qualifications pour Stoffel Vandoorne. Dans ce cas-là, je vous inviterai donc à découvrir lors de la présentation du Grand Prix la grille de départ complète. En attendant, on continue avec, regardez, Fernando Alonso, 1.37.699. Le pilote espagnol est en train de démontrer tout le talent et tout son potentiel avec cette McLaren Honda. Et ce serait dommage de ne plus la faire évoluer avant la fin de la saison et se contenter de la faire travailler pour 2017. On verra bien. Le dernier freinage pour Stoffel Vandoorne, ça n'est pas fameux. Il est en pneu médium, il est avec des pneus qui sont une demi-seconde moins rapides que les softs. Et le verdict du chronomètre est irrévocable. Vandoorne est quatrième, mais il terminera à la 13e place. C'est Alonso qui était le plus rapide de cette Q2, pas de Q3 donc pour Stoffel. On verra donc qui aura été le plus rapide pendant la présentation de ce Grand Prix de Malaisie. Chaleur étouffante ou averse torrentielle, on ne sait jamais ce que Kuala Lumpur nous réserve. La course inaugurale de 1999 marqua la dernière d'une série de 4 victoires dans la même saison pour le Nord-Irlandais Eddie Irvine. Qui reprendra le flambeau aujourd'hui ? 5 virages à gauche et 10 à droite, voilà les 15 virages des 5,4 km de Sepang, un circuit où la météo joue très souvent un rôle décisif. Les pilotes sont soumis à des forces supérieures à 4G au freinage dans 4 de ces virages, dont 2 à la fin des zones de DRS dans les virages 1 et 15. Je vais commencer la course aujourd'hui avec Nicolas Martin. Bienvenue Nicolas, c'est toujours un plaisir de revenir à Kuala Lumpur, n'est-ce pas? C'est un pays magnifique, un circuit magnifique et une course qui a tendance à être imprévisible. Oui, en effet, on a beaucoup de grands virages qui font souffrir les pneus arrière. Ajoutez à cela une chaleur écrasante bien supérieure à la plage habituelle d'utilisation des pneus. Et comme les années précédentes, nous étions venus très tôt au début de la saison, le facteur fiabilité sur la durée est très important. Bon, c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Rosberg, Daniel Ricciardo et Raikkonen, Massa, Kvyat, Alonso et Carlos Sainz, Magnussen, Grosjean, une McLaren et Ericsson, Palmer, Arianto, Valtteri Bottas et Esteban Gutiérrez, Nasser et Perez, Pascal Wehrlein et Nico Hülkenberg complètent la grille de départ. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Alors que les pilotes se mettent en place pendant ce tour de formation, il faudra bien mettre en température, notamment les freins pour un premier virage qui, vous le voyez, dans un dessin très serré, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. On espère que ça se passera bien mieux qu'il y a 15 jours à Singapour, où là on a eu droit à un réel accrochage entre les pilotes des 2-3 premières lignes. Le résultat des qualifications a réservé quelques bonnes et mauvaises surprises. On va commencer par les bons élèves avec Kevin Magnussen, le Danois. Même s'il est en proie à beaucoup de soucis cette année avec sa Renault, notamment avec la casse moteur en Hongrie, eh bien il est ici bien placé en 11e place. Et tant qu'on est dans les Français, on va suivre avec Romain Grosjean, 12e, qui s'est bien qualifié. La 14e place pour le Suédois Marcus Ericsson avec la Sauber. Sauber qui est en difficulté, vous le savez, c'est la seule équipe pour l'instant dans ce championnat du monde qui n'a pas marqué le seul point. On verra s'ils pourront inverser la tendance dans ce Grand Prix ici à Sepang. On continue avec désormais les mauvais élèves. Valtteri Bottas, qui vous l'avez vu, a été piégé lors de la Q1. Le Finlandais et sa Williams partiront en pneu dur du 17e rang. Et enfin, la grosse déception, et ça continue malheureusement dans ce sens-là depuis le début de la saison, eh bien, c'est la dégringolade de performance à laquelle est confrontée Force India, l'écurie indienne, qui place ses voitures 20 et 22e. Pour Perez et Hülkenberg, pas de soucis moteurs. On rappelle qu'ils sont équipés du bloc Mercedes, l'un des plus, si ce n'est le plus performant de cette grille depuis même le retour du moteur Honda. Eh bien, on va voir si pour l'année prochaine, ces petites équipes vont continuer à s'en sortir ou si Force India va désormais piquer du nez comme l'ont fait les anciennes structures qui géraient Force India, que ce soit Jordan, Midland ou Spyker.
eh bien, on verra tout ce que pourra faire l'année prochaine Sergio Perez et Nico Hülkenberg, qui devraient normalement rester au sein de Force India, même si la Silly Season, vous connaissez bien ce terme, a commencé depuis Spa-Francorchamps. Le peloton a été très épars dans ce tour de formation, alors que les premiers sont déjà placés. Les pilotes au-delà du top 10 ne font que de sortir de l'épingle. On va donc laisser chacun reprendre sa place et ensuite on pourra commencer la procédure de départ ici pour le 14e Grand Prix de la saison à Sepang. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Quinzième Grand Prix de la saison avec un bon envol derrière pour l'une des Toro Rosso qui se met déjà en plein milieu du peloton. Et c'est Lewis Hamilton qui a réussi son envol. Vettel à l'extérieur complet, ils sont à 4 de front à l'entame du premier droit. Oh, ça risque de toucher entre les deux Red Bull et les deux Ferrari. Et effectivement, c'est Vettel qui s'est vu pousser en dehors de la piste. Il est ici à l'intérieur désormais. Magnussen perd une place au profit de Stoffel Vandoorne. Très beau départ pour Lewis Hamilton, mais derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. On voit Nico Rosberg à la lutte, on voit Alonso se faire enfermer par l'une des Toro Rosso. Et on a désormais les deux Red Bull derrière Lewis Hamilton. Attention ici, Vettel et Vandoorne, ils sont côte à côte. Et le pilote belge sur l'extérieur peut peut-être prendre l'avantage sur la Ferrari qui a raté complètement son envol. Oh, c'est très serré et ça passe. Sébastien Vettel cède une place avec Vandoorne qui doit mettre deux roues dans l'herbe. Et les 22 voitures se sont élancées correctement dans ce Grand Prix de Malaisie. On peut donc désormais se concentrer sur ce qui se passe devant. Et vous voyez le peloton assez serré dans ses premiers hectomètres. Et on a déjà Lewis Hamilton qui prend une belle avance. Au niveau des pneumatiques, on a une grande partie du peloton en pneus médium. Seul Vandoorne en tête est parti en pneus hard. Certains sont en pneus soft. On sait que les pneus soft ne feront pas de nombreux tours. Voilà, Lewis Hamilton, le leader, qui lui est en pneus médium. Vous le voyez en bande blanche. Deuxième, ce sera une Red Bull, celle de Max Verstappen. Troisième, Ricardo. Quatrième, si je ne dis pas de bêtises, c'est Kimi Raikkonen avec sa Ferrari. Mais ça risque de changer à l'issue même de ce premier tour, puisque Raikkonen est en train d'attaquer Daniel Ricciardo. Voilà la fin du premier tour de ce Grand Prix, avec donc Hamilton en tête devant Verstappen, Ricciardo, Vandoorne derrière qui est en train de se battre avec l'une des Williams. Voilà, je vous le disais, Raikkonen qui attaque. On ne voit pas ici, on est avec Massa qui va peut-être faire l'extérieur à Stoffel Vandoorne. Et oui et non, ça résiste pour le pilote belge. Alors que devant, voilà, Raikkonen s'est emparé de la place de Daniel Ricciardo. Et Rosberg a failli en profiter, alors que Vettel vient de passer Massa après avoir raté son départ. Le pilote allemand est en train de remonter. On est avec Felipe Massa qui vient donc de se faire chipper la place qu'il obtenait jusque-là par Vettel. Et devant, on voit Nico Rosberg qui est extrêmement chaud. Et belle performance pour l'instant de Julian Palmer qui, avec un départ correct, résiste au Vandoorne qui perd beaucoup de temps ici dans les S. On sait qu'elle n'est pas à l'aise dans ce deuxième secteur, la McLaren. Et on va voir si Vandoorne va pouvoir corriger ça au fur et à mesure des tours. En pneu soft, Nico Rosberg en caméra embarquée avec l'Allemand. On switch avec Daniel Ricciardo, désormais derrière Raikkonen. Raikkonen qui fait une saison absolument sensationnelle après un début et deux victoires. Il est maintenant bien placé au championnat du monde. Vettel qui était absolument détruit lorsqu'il est revenu sur le muret des stands de saluer son équipe après la casse moteur à quelques tours de l'arrivée. Il a mis longtemps à y croire, le pilote allemand. Raikkonen, donc, je vous le disais, est à l'attaque. Est-ce qu'il va passer Verstappen? Et oui, Verstappen qui est battu par Raikkonen alors que les pilotes n'ont pas encore accès au DRS. Ce sera seulement à partir du prochain passage. Et ces bagarres, eh bien, profitent à un homme, Lewis Hamilton, qui est en train de prendre un certain avantage. Attention, Ricciardo, qui n'a pas dit son dernier mot, qui va repasser Raikkonen. Et donc les Toro Rosso derrière qui s'étaient échangé les positions. Vous ne l'avez pas vu. Il y a une belle lutte entre les deux pilotes de la structure italienne. On le voit sur nos écrans ici. Et les points sont importants pour cette équipe. On revient un peu plus loin avec justement Vandoorne en pneus hard. Ah là, il est avec les pneus les plus lents autour de lui. Alors que derrière, vous le voyez dans le rétroviseur, vous le devinez, Sébastien Vettel avec la Williams de Massa qui résiste aux deux Toro Rosso.
Et Rosberg qui est pour l'instant 5ème. Attention pour Stoffel Van Dorn, ça glisse beaucoup. Voilà, on embarque avec Van Dorn. Oh, Van Dorn qui est à l'extérieur et qui perd une place. Vettel est passé. Aïe aïe aïe, déjà peut-être des soucis. Et on sait que ça ne fonctionne pas avec les pneus hard. Et il va devoir faire deux relais avec ces pneus-là. On est en caméra embarquée avec Felipe Nasser, le Brésilien, avec qui on revit le départ. Et très belle performance d'Esteban Ocon que vous voyez sur la droite, qui est pour l'instant bien remonté. Ah oui, effectivement, ah oui, très joli départ du pilote français qui a soufflé la politesse à tout le monde. Attention parce qu'ici il y a Ericsson et Nasser. Est-ce qu'on a eu un léger drapeau jaune? Que s'est-il passé? Ici on voit passer Pascal Wehrlein. Ici c'est Julian Palmer, le pilote britannique, sur l'extérieur. Oh, et oui, voilà le contact entre la voiture de Palmer. Et deuxième accident avec Gutiérrez. Eh bien, on va revoir de nouveau le départ, cette fois-ci avec Esteban Gutiérrez. Et oui, eh bien, Felipe Nasser qui est allé au contact avec deux voitures. Et ce qui explique qu'à la radio de Julian Palmer, on a demandé de vérifier les pressions des pneus pour le pilote britannique. Ici, on a avec la Haas qui se fait enfermer sur la partie extérieure. Regardez à l'intérieur le freinage absolument magnifique d'Esteban Ocon qui a mis eh bien, quasiment un demi-peloton dans le vent. Il est, je crois, 13 ou 14e pour l'heure, le pilote français. Il a perdu une position, il était quand même passé devant Valtteri Bottas qui partait 17ème. Donc voilà, il est bien bien parti. On a ici les deux Force India du fond du peloton. Et regardez, voilà, Palmer qui referme. Et il y avait déjà eu un contact avec Hülkenberg. On n'en saura pas plus. On verra si la direction de course ouvre une investigation pour cet accrochage. On est avec Van Dorn, toujours 7ème, qui vient donc de céder sa place à Vettel dans ce même virage il y a un tour. Et voilà, Esteban Ocon qui est devant la Toro Rosso. Formidable départ du français derrière Kevin Magnussen. Et vous découvrez par la même occasion les livrées blanches de Manor qui redeviendra bleu à partir du prochain Grand Prix. Puisqu'avec le célèbre pétrolier qui équipe eh bien, Mercedes, il y a beaucoup de promotions pour les pilotes de la marque à l'étoile depuis le début du week-end. Nico Rosberg qui revient très fort sur les deux Red Bull, DRS pour Verstappen et pour Rosberg qui sont derrière Ricardo évidemment. Et l'attaque de Ricardo qui passe sur Verstappen. Oh, ça n'est pas terminé. Et il y a une Red Bull qui plonge. Je crois que c'est celle de Verstappen. À vérifier parce qu'ils se sont échangés plusieurs fois les positions. Non, Verstappen est en piste. C'est donc bien Ricardo qui est rentré au box. Et donc Verstappen qui se retrouve deuxième du Grand Prix derrière Raikkonen qui mène et devant Nico Rosberg. Le tout derrière un Lewis Hamilton bien dominateur. Le trio mené par Raikkonen qui risque d'être de bouger dans les prochains tours. Van Dorn chassé par Vettel qu'il a réussi à redépasser avec l'aide du DRS dans le dernier secteur. On ne l'a pas forcément vu à l'image, mais le Belge est repassé aux avant-postes. Et la lutte avec les Ferrari qui continue de faire rage à bord de la McLaren Honda qui a toujours... Voilà, dans ce secteur-ci, c'est vraiment le plus difficile pour lui. Il n'y arrive vraiment pas, Stoffel, avec ses pneus durs. Et regardez dans les rétroviseurs le retour de la monoplace de Maranello qui est assez performant dans ce secteur-là. Tout comme la Mercedes qui fait la jonction sur Verstappen. Et vous voyez les trois poursuivants du leader dans la même image. Il y a donc Raikkonen, Verstappen et Rosberg à la chasse de Lewis Hamilton. Attention parce que Rosberg, il avait le DRS là sur Verstappen. Va-t-on rentrer du côté des leaders? Et non, on continue pour les pilotes qui sont en soft malgré tout. Et ça y est, Rosberg qui va peut-être passer à l'intérieur et derrière Vettel également. Ah, il y a de l'explication à tous les niveaux, attention. Et on sait que Verstappen n'est pas tendre hein, lorsqu'il faut céder une position, mais c'est fait. Et désormais c'est la quatrième place qu'obtient le Néerlandais. Par contre on ne sait pas derrière ce qui s'est passé. Eh bien Vettel est repassé aussi devant Van Dorn. Et les phases de plage de fonctionnement des pneumatiques qui varient en fonction des voitures. Et là on a des luttes assez différentes.
Oui, Raikkonen devant, qui est en train de bien améliorer au niveau des chronos. Le premier secteur le plus rapide pour le Finlandais. Et Van Dorn qui doit parvenir à résister à Vettel. Alors attention, parce que là, Vettel est en pneu médium et Van Dorn en pneu hard. Les pneus plus durs qui pourraient tenir plus longtemps. Et donc, peut-être que l'écroulement de performance du pilote allemand pourrait aider le Belge à revenir sur ce dernier et rentrer de nouveau dans le top 5. Dans le top 5, attention, ça bloque pour Stoffel Van Dorn. Alors qu'un peu plus derrière, dans le peloton, on a Magnussen, Viat et Romain Grosjean. Oh, et Magnussen qui est au ralenti. Oh, il est assez lent, Magnussen. Il bouchonne un petit peu. Il faut savoir qu'il monte des pneus qui ont fait un tour de plus, puisqu'il a réussi à bien se qualifier, mais en prenant un tour de plus que ses petits camarades. Et donc, ça a été difficile de gérer, je pense, les premiers tours avec des pneus usés qui sont donc plus longs à mettre en température. Vous avez la tête de course avec donc Raikkonen qui chasse Lewis Hamilton, et ici Van Dorn qui est plus que sur les talons du pilote allemand et de sa Ferrari. Alors que ça rentre devant pour l'une des voitures, c'est Fernando Alonso. Et Nico Rosberg qui sont les premiers à rentrer. On voit qu'on est prêt également du côté de chez Williams. Qu'a-t-on monté à Nico Rosberg? Je crois que ce sont des pneus hard vu le flanc de ses pneus. Effectivement, un long relais pour l'Allemand. Fernando Alonso va lui monter également des pneus hard. Je crois qu'on a fait la même chose du côté de chez Williams. Aussi, même opération effectuée du côté de Kvyat et sa Toro Rosso. Esteban Gutiérrez qui était loin et qui lui remet un deuxième jeu de pneus soft. On va sûrement s'y diriger pour les plus petites écuries vers une stratégie à 3 arrêts. Nouvelle caméra installée lors de ce Grand Prix sur le diffuseur arrière de certaines voitures. On est avec ici Lewis Hamilton, le leader du Grand Prix, qui va un tour plus tard observer un arrêt, tout comme la Ferrari et la Red Bull qui le suivaient. Et on remet un deuxième train de pneus médium. Vous voyez que les stratégies divergent beaucoup dans ce Grand Prix de Malaisie. Parce que regardez, on est en pneu médium du côté de chez Red Bull et on va monter des durs cette fois-ci. Donc on a vraiment des plages différentes, et tant que le dernier relais ne sera pas entamé par tout le monde, on ne saura pas où on en est pour les différentes voitures. Raikkonen est donc toujours leader, avec désormais Van Dorn deuxième et Felipe Massa troisième. Les pilotes qui étaient chaussés de gomme les plus durs sont toujours en piste et ça commence à faire beaucoup de monde. Et on va voir si les stratégies décalées peuvent payer pour les différentes équipes. Et du côté de chez McLaren, on n'a pas mis ses œufs dans le même panier, puisque Van Dorn est parti en pneus durs alors qu'il y avait des gommes plus tendres sur la voiture de Fernando Alonso. Attention, on est avec Esteban Ocon qui du coup a gagné aussi pas mal de positions. Mais regardez surtout, eh bien, il y a deux voitures là qui n'ont rien à faire dans ce peloton. C'est voilà celle de Nico Rosberg et surtout devant celle de Max Verstappen. Donc les voitures qui ont opté pour un arrêt sont mal ressorties. Mauvais calcul du côté de certains murets des stands, même si on n'a pas forcément le choix. Regardez le temps perdu par Nico Rosberg, et tout ceci eh bien, pourrait profiter à deux hommes. Nico Rosberg va pouvoir perdre du temps, tout comme les Red Bull, et celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est Lewis Hamilton ou encore eh bien, Kimi Raikkonen, qui sont devant avec une piste entièrement libre. Et ceux qui sont partis avec les pneus durs ont peut-être choisi la bonne solution, alors qu'on voit également Vettel qui est piégé là-bas derrière. Nous sommes dans le 8ème de ces 28 tours de compétition ici du côté de Sepang, et on a désormais Raikkonen, le leader, qui va opter pour un arrêt au stand alors qu'il était chaussé de pneus médium. Il n'aura plus donc aucune voiture devant Fernando Alonso, qui va mener un tour de ce Grand Prix. Voilà, ça va être le cas au prochain tour, puisque c'était toujours Raikkonen au moment de passer le transpondeur qui était en tête. Et le pilote finlandais repart avec un deuxième train de pneus médium. Derrière, on a Magnussen qui n'a pas été à pareil fait depuis longtemps. Il est à la quatrième place derrière, eh bien, Lewis Hamilton. L'arrêt de Felipe Massa avec des pneus soft, peut-être. Et non, on remet un deuxième train de pneus médium aussi du côté de chez Williams. L'arrêt de Romain Grosjean, puisque Esteban Gutiérrez est déjà passé par la case box. Et désormais, voilà, certains sont en pneus durs et n'ont pas encore ravitaillé. Van Dorn et Magnussen qui sont donc 1 et 3, alors qu'Hamilton, lui, a déjà ravitaillé. Et donc, Magnussen va sûrement crouler dans les abysses du peloton d'ici quelques tours. Et regardez, Kimi Raikkonen, alors qu'Hamilton vient de passer Magnussen, eh bien, va à son tour aller chercher le Danois, qui est sur des pneus hard usés, tout comme Van Dorn. Alors encore faut-il réussir à passer pour le Finlandais. Et vous entendez à quel point c'est serré entre les deux voitures, et Raikkonen qui ne peut pas utiliser toute la plage de son accélérateur.
perturbé par la Renault devant lui. Du côté de Van Dorn, on a un arrêt qui est à observer encore dans de nombreux tours, donc on va continuer autant que possible de tenir cette McLaren en piste, mais attention à ne pas trop tirer sur les relais, parce que si on veut faire deux arrêts chez McLaren, il ne faut pas que eh bien, la performance s'écroule. Massa qui repasse, oh, c'est pas sûr, Felipe Nasser, explication entre Brésiliens. Et Massa qui est passé devant son compatriote. Nouveau tour couvert par Van Dorn. En tête. Et au niveau des écarts, on est en 1.40 alors qu'on est en 1.37-1.38 du côté d'Hamilton. Donc ça tourne beaucoup mieux pour les pilotes ayant rentré, monté des pneus frais. Raikkonen qui se débarrasse enfin, finalement, de la voiture de Magnussen. Et regardez qui est derrière. Ce sont les pilotes avec les pneus les plus durs qui n'ont pas ravitaillé. On a Esteban Ocon qui est pour l'instant 5e de ce Grand Prix. Ensuite, on a Hülkenberg, Ericsson et Palmer. Et regardez au niveau de l'usure des pneumatiques, il y a encore un tour à couvrir pour Van Dorn. Et ça s'annonce compliqué. Blocage de roue pour le cours 13e, puisqu'il y a désormais plus de 50% d'usure sur le train gauche de cette McLaren. On est peut-être en train de perdre la tête du Grand Prix à la régulière, qu'il n'avait pas de toute manière. Et on va peut-être eh bien abréger les souffrances de ces gommes en montant un tour plutôt peut-être des pneus neufs. Va-t-on continuer et forcé du côté de chez Van Dorn? On verra bien ça d'ici quelques instants. Julian Palmer qui va attaquer Marcus Ericsson derrière. Regardez, il y a Ricardo, il y a Rosberg et il y a, je crois, Vettel. Et ça rentre pour l'une des Red Bull, des Toro Rosso aussi. Oui, voilà, j'avais bien vu sur mon transpondeur, sur notre écran. Alors, la double attaque à droite pour passer Ericsson. Ouais, Palmer qui va se faire également avaler. C'est là qu'on voit la différence de performance entre les voitures. Et Palmer qui va peut-être se faire repasser par Ericsson. Derrière, Vettel n'ose pas toucher à l'une des voitures. Il ne peut pas se permettre un deuxième accident, un deuxième abandon en deux week-ends de course, le pilote allemand, s'il veut garder ses chances aux championnats qui sont déjà malheureusement devenus minces au fil des épreuves européennes. Ici, Van Dorn va devoir normalement opter pour un arrêt au stand. À la fin de ce tour, on voit que, et voyez, voilà, ça bloque encore les roues pour le Belge, qui n'est pas au bout de ses peines. Avec sa McLaren Honda. Et je pense qu'on va pas tarder à rentrer du côté du Belge. Et désormais, c'est donc Hamilton et Raikkonen qui suivent derrière, les deux pilotes ayant ravitaillé. Ah, et voiture de sécurité virtuelle. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-on droit à une voiture de sécurité virtuelle? Ok, we really need the box now. These tires are completely gone. Et Van Dorn qui confirme que les pneus sont foutus. Et ça, ça peut être un changement radical au classement, puisque Van Dorn va pouvoir ravitailler sous Virtual Safety Car. Et ça, ça va peut-être tout changer. Et voilà, on rentre. Oh là, attention, avec deux roues dans l'herbe. On rentre chez McLaren. Et c'est Fernando Alonso. Ah, Fernando Alonso qui a stoppé sa voiture dans le secteur 17 de ce circuit. Alors qu'on rentre du côté de Van Dorn, qui est peut-être en train de faire l'opération de la journée. Où en est Lewis Hamilton? Il va peut-être repartir 3e, mais il ne sera pas 5 ou 7e. C'est bien joué. Qui est ici à l'écran? On a eu un plan furtif d'une voiture. Et oui, Van Dorn qui a donc la liberté de ravitailler pour la première fois. Et il repart avec un deuxième train de pneus hard. Alors que devant sont passés Hamilton et Raikkonen. Et il repart 3e de ce Grand Prix. Et on rentre évidemment pour tout le monde. Ceux qui n'avaient pas encore ravitaillé, c'est une aubaine. Oh, il perd un peu de temps, malheureusement, Kevin Magnussen, puisque c'est Pascal Wehrlein qui observe son arrêt. Ce n'étaient pas les seuls. Attention, Wehrlein qui repart derrière, je pense, Sergio Perez, qui était également dans les box. Et bien voilà, on a repris un rythme de course fin de la voiture de sécurité virtuelle. Et avantage désormais, eh bien, à ceux qui ont stoppé sous cette voiture de sécurité. Do I have a risk to be in the same trouble as Fernando? Tell me. Et du côté de Stoffel, on se demande s'il y a des risques d'avoir les mêmes problèmes qu'Alonso, parce qu'Alonso vient de casser son moteur. On n'a pas vu ce qui s'est passé, malheureusement. What's happened to Fernando? Why is he off the race? Et on a également des explications à donner à Van Dorn, peut-être des consignes de conservation du moteur pour éviter d'avoir le même problème qu'Alonso, qui va pouvoir de nouveau se convertir en caméraman comme il l'a fait à plusieurs reprises, parce que ça n'est pas les problèmes qui manquaient cette année chez McLaren. Et on n'a toujours pas vu ce qui s'est passé, hein. On ne sait pas vraiment ce dont a été victime le pilote espagnol, c'est dommage. On espère que la réalisation nous proposera des images un peu plus tard. Un point donc dans ce Grand Prix après la première salve d'arrêt au stand, et le pilote qui a fait l'opération
Eh bien, c'est Sergio Perez. Il partait 20e. Il n'avait pas ravitaillé. Il observe un arrêt pendant la Virtual Safety Car. Et il est pour l'instant 5e puisque Rosberg vient de le redépasser. Arrêt au stand de Julian Palmer et sa Renault. Alors Hülkenberg était aussi au box. Non, c'est Perez qui était au box évidemment, puisqu'il n'avait pas ravitaillé jusque-là. Hülkenberg avait déjà ravitaillé tout à l'heure quand Pascal Wehrlein était au box. D'ailleurs, on est encore prêt chez Manor et chez Haas. Et Palmer qui ressort en piste au 16e rang derrière la Red Bull de, je le crains, Daniel Ricciardo. Il va se faire passer par beaucoup de monde là. Palmer. Attention, il est à côté d'Ericsson. Les deux qui se battent. Assez tendu. Allez, on est avec probablement Lewis Hamilton. Leader de ce Grand Prix devant Kimi Raikkonen. Le pilote Mercedes qui est en train pour l'instant de bien dérouler. Alors attention, parce qu'on a appris ces derniers temps que ça n'était pas gagné avant le passage de la ligne d'arrivée. Puisque ça n'est qu'à 4 tours de l'arrivée que Vettel avait perdu le Grand Prix. À Singapour, nouveau tour couvert en tête par Hamilton. Il voit donc dans la même image revenir Raikkonen, deuxième, et Van Dorn, troisième, qui a profité de l'abandon de son coéquipier. Et Hamilton qui poursuit donc sa chevauchée vers un premier, peut-être pas vers le titre, c'est à celui qui tombera le dernier. On ne peut plus rien espérer, je pense, face au Mercedes. Seul un miracle pourrait ramener les Red Bull dans la course. Attention, on est avec les deux Williams qui s'expliquent. Ici, c'est Bottas. En pneu hard qui s'est fait passer par un massage, je pense, en pneu médium. Effectivement, logique, après tout, qu'on change de position. On a vu que ça s'était aussi fait du côté de Singapour pour McLaren. Pas de problème à ce niveau-là. On échange volontiers les places. Bonne entente également chez Williams qui devrait conserver son duo l'année prochaine. Ça dépendra notamment de la décision de Massa de prendre ou non sa retraite. On vous tiendra évidemment au courant de tout ce qui se passe dans le paddock. La nouvelle rumeur folle serait la montée de Pascal Wehrlein ou d'Esteban Ocon chez Force India. On commence à en parler avec un éventuel départ de Perez ou d'Hülkenberg chez Renault, avec Bottas qui pourrait partir aussi. Williams va-t-il devoir changer ses deux baquets pour l'année prochaine? Encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues en termes de transfert. Pour l'heure, c'est Massa qui a l'avantage sur son équipier en termes de gomme et de pace en piste. DRS pour Bottas qui, je ne pense pas, va aller risquer d'aller attaquer Massa, sachant qu'il a des pneus moins performants que le petit Brésilien. Et cette absolument somptueuse tribune qui fait partie de l'endroit où sont les cabines. On doit traverser le paddock pour aller dans les cabines. Ici, c'est assez particulier. On n'a pas les cabines dans la structure même de la voie des stands. Et les écarts avec 5 secondes de retard désormais pour Van Dorn avec les pneus hard. Et de nouveau Van Dorn qui aurait une stratégie décalée, ce qui pourrait lui permettre d'empocher le meilleur tour en course. Et là, on a Nico Hülkenberg, on en parlait justement, qui se débarrasse de Wehrlein. Et regardez donc les couleurs particulières, hein. Couleurs rouge et blanche des Manor plutôt que l'orange et bleu dont elles sont habituellement habillées. Et Rosberg qui refait un petit peu son retard sur Van Dorn. Il revient, le pilote allemand. Et vous l'entendez, 8 secondes entre Van Dorn et Rosberg. Alors qu'il y a beaucoup moins ici avec Ricciardo qui va s'attaquer à la Manor de Pascal Wehrlein, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont suivis, voilà, par, je crois, Carlos Sainz, si les couleurs espagnoles du casque ne me trompent pas. Et là, on se bat pour la 14e et 15e place entre ces deux-ci. On va voir si après Red Bull pourra récupérer ce temps perdu, mais ça me semble difficile à croire. Et devant Magnussen qui fait une belle course aussi.
12e le Danois, après avoir également profité de la stratégie offerte par la Virtual Safety Car. Alors là, je pense que Ricardo, avec l'aide de son moteur Tagueur, eh bien, va pouvoir repasser la Manor, qui certes a le bloc Mercedes, mais a un châssis bien moins performant. Regardez, voilà, l'attaque de Ricardo à l'intérieur sur la Manor. Oh non, il ne parvient pas à passer. Oh là là, ça va être une manœuvre qui aura conséquence, parce que là, il reste encore bloqué longtemps derrière la Manor. À défaut d'avoir des opportunités de dépassement, ça va être compliqué pour eux de revenir dans cette course pour les pilotes Red Bull. Et le blocage de roue pour Van Dorn qui a encore du mal. Je vous ai laissé un peu profiter du son en caméra embarquée du moteur Honda. Et l'arrêt du leader. L'arrêt de Lewis Hamilton qui n'est pas imité par la Ferrari de Kimi Raikkonen, qui s'empare donc de la tête de ce Grand Prix de Malaisie. Alors, que va-t-on monter? Ce serait des durs logiquement. Et voilà, les pneus hard pour Hamilton qui va donc aller au bout de ce Grand Prix. Alors que Rosberg passe, Vettel rentre. Voici Sébastien Vettel qui rentre, laissant passer la voiture de Verstappen. Très belles images de l'arrêt de Vettel, ça va très très vite chez Ferrari. Arrêt absolument parfait pour la Scuderia. Et on a remonté des pneus durs pour Vettel qui va également aller jusqu'au bout. Alors un des derniers à faire son arrêt, ça va de nouveau être Van Dorn avec stratégie décalée obligée. Et il partira avec des médiums peut-être, ou des softs, on verra. Il est avec Romain Grosjean, le français. Qu'est-ce qui se passe pour Romain Grosjean? Pourquoi nous montre-t-on cette voiture particulièrement? Eh bien, je ne sais pas ce que la réalisation a voulu nous montrer. Mais Grosjean était sans doute seul. Quelques infos au sujet de Nasser. Tout porte à croire qu'ils ont résolu leur problème. Ils reprennent de la vitesse. Alors qu'on informe Van Dorn que Felipe Nasser reprend un rythme de course après avoir été effectivement ralenti pendant quelques tours. Il tournait une seconde et demie, deux secondes moins rapidement que d'habitude. Et l'arrêt désormais de Raikkonen, le leader. Avec l'aide de son undercut, est-ce que Lewis Hamilton a possiblement passé convenablement l'épreuve du dernier arrêt et récupérera-t-il la tête de course? On verra ça dans quelques instants. Raikkonen, très bel arrêt chez Ferrari. On a beaucoup travaillé chez Ferrari les arrêts au box. On a perdu pas mal de temps depuis le début de saison. Rosberg qui s'arrête. Est-ce que, je pense, la Toro Rosso et la Red Bull qui suivent vont aussi s'arrêter sur la piste? Vettel est repassé. Voilà Verstappen qui rentre. Et on est prêt aussi, je pense, pour Felipe Massa. Et un deuxième train de pneus hard du côté de Verstappen. Et donc certains ont tenté le côté soft, hard, hard. Et c'est passé. Et des hard également pour Massa. Et donc le seul qui sera en pneu médium, je pense, ce sera Stoffel Vandoorne. L'arrêt de Romain Grosjean. Alors on va voir s'il y a des dégâts peut-être sur l'aileron avant. C'est peut-être ce qu'on a voulu nous montrer tout à l'heure. Et non, on ne change pas le museau de la Haas qui repart avec des pneus hard. Tout comme, je vous le disais, voilà la voiture de Gviat avec Pascal Wehrlein ou Esteban Ocon. Esteban Ocon, voiture numéro 31, qui continue et qui va lui aussi devoir observer un arrêt, je pense, d'ici peu de temps. Parce qu'il est en train de faire une course absolument magnifique. Et avec tout cela, eh bien, c'est Van Dorn qui de nouveau se retrouve au commandement, mais il va devoir stopper, monter ses pneus médiums ou des pneus soft. On ne sait pas encore, on se tâte peut-être chez McLaren Honda. Mais bon, on aura mené quelques tours. Je ne pense pas qu'à la régulière, Van Dorn puisse aller chercher la victoire. Il n'a pas assez d'avance malgré son pit stop gratuit effectué sous Virtual Safety Car tout à l'heure. Par contre, le podium est jouable pour le pilote belge. Il devrait sortir pas loin ou aux côtés des voitures qui se battraient à ce moment-là. Ce serait du côté de Rosberg et Vettel. Oh, il est ralenti. Van Dorn, il ne va pas vite.
Qu'est-ce qui se passe, Van Dorn, qui avait l'air bien lent avec cette caméra. Attention. On devrait éviter la pluie, mais si un fond orageux apparaît, on te le dira. Et dans l'estimation du temps, Vettel fait fort puisqu'il vient de signer en 1:39 le tour le plus rapide. Il est plus rapide que Stoffel Van Dorn. On part avec son équipier en caméra embarquée, Raikkonen, à la chasse de sa prochaine victoire peut-être. Alors on est en lutte pour la P3 et la P2 évidemment, mais c'est sans compter sur l'arrêt de Stoff hein, qui va avoir lieu d'ici moins de 3 tours. Et c'est de là se battre en fait pour la victoire tout simplement de ce Grand Prix de Malaisie. Et elle est importante parce qu'elle signifie 7 points de plus que pour l'autre. Et avec Hamilton et Raikkonen, la lutte est plus que serrée en tête de ce championnat. Van Dorn en tête, 19e tour de course, il y a encore 3 boucles à effectuer. Ça devient difficile avec les pneus hard. Vous voyez pas mal de marbles collectés dans ce coin-là du circuit pour Van Dorn. Il y a encore des voitures qui rentrent au stand avec les stratégies décalées. On retrouve Hamilton et Raikkonen qui sera dans la zone de DRS. Et derrière, Rosberg qui s'expliquait avec Vettel. Voilà, on a rapidement vu la Force India qui était 5e. Alors, Vettel-Rosberg, on joue la potentielle 3e place. Et attention parce que si ces deux-là se mettent à se battre, eh bien Van Dorn pourrait passer. Oh, très belle attaque de Sébastien Vettel. Résistance peut-être de Rosberg à l'extérieur, c'est joli. Et Vettel qui va voilà, forcer l'Allemand à rester derrière. Et Vettel qui profite une deuxième fois du DRS. C'est la particularité ici à Sepang, c'est que vous avez deux zones d'activation pour une seule zone de détection. Et retour sur l'autre lutte. C'est vraiment une explication Ferrari-Mercedes. On se croirait revenu il y a quelques années. Attention parce que la McLaren là est délicate à conduire. Il va encore rester deux tours. Ça va être long pour Van Dorn. Rentrer au box. Mais c'est pour aller chercher des pneus qui conviendront mieux à sa voiture. Et vous voyez les dérives en sortie d'épingle et de virage lent. La bagarre entre Hamilton et Raikkonen. Raikkonen qui est véritablement revenu. La jonction est faite par le Finlandais. 9,8 secondes. On confirme les 10 secondes d'avance de Van Dorn qui perd à chaque fois ici du temps. Et sachant qu'un arrêt coûte une vingtaine de secondes ici, il pourrait repartir derrière les deux Mercedes et les deux Ferrari. Et on attend peut-être trop longtemps chez McLaren. Et un nouveau tour couvert en tête pour Stoffel qui a piste libre pour le moment. On va peut-être retrouver le Belge sur le podium une nouvelle fois ce week-end. Alors qu'Alonso fait une course assez catastrophique, c'est dommage. Il était également sur une stratégie décalée et on aurait pu retrouver les deux McLaren dans le top 5. On ne le saura malheureusement jamais après le problème du pilote espagnol. Et Hamilton désormais est derrière Kimi Raikkonen. Attention pour Van Dorn qui va très loin à l'extérieur dans le deuxième secteur. Okay guys, it's beginning to be dangerous. I'm losing a lot of grip on the front tires. I need to stop as soon as possible. Et c'est quasiment un message de détresse envoyé par un Belge en détresse là. Van Dorn qui ne sait plus quoi faire avec ses pneus, il doit rentrer, il continue, incroyable, un tour supplémentaire pour Van Dorn alors qu'il n'a plus de gomme. Et il est peut-être là en train de perdre le podium. Alors que ça va ressortir pour une autre voiture qui était attardée. Je crois que c'est Felipe Nasser qui vient de rentrer.
Et Ferrari qui est désormais en tête des évolutions techniques. C'est officiellement la meilleure voiture du plateau. 22e boucle et on va rentrer monter des softs visiblement. C'est ce pourquoi aurait opté le pilote belge. Il va donc obtenir une voiture beaucoup plus véloce et beaucoup plus de grip. Et dans l'explication qui oppose Massa à Valtteri Bottas, eh bien, on est toujours avec la lutte. Ils s'échangent depuis quelques tours les positions, les deux pilotes. Alors, tant qu'il n'y a pas contact, cela va. Et oui, on est en train de dire à Van Dorn qu'il n'a plus de pneus, mais ça fait 3 tours qu'il le pleure à la radio, le Belge. Il va falloir le faire rentrer. 57% sur le pneu arrière gauche. Il est proche peut-être d'une crevaison. Et s'il fait un tour supplémentaire, sa course est tout simplement ruinée, le Belge. Va-t-il plonger sur la droite? Et oui, ça y est, l'arrêt au stand de Van Dorn, alors que le public est debout pour voir au-dessus du muret ce qui se passe dans la pit lane. Alors il va d'ores et déjà perdre les deux premières places, ça c'est officiel, avec voilà Hamilton et Raikkonen qui sont passés. Et il est loin dans la pit lane. Van Dorn, on voit arriver bientôt les autres. Voilà les pneus soft, il va donc avoir la voiture sans doute la plus rapide. Et record du tour pour Vettel au moment où ils repartent chez McLaren et voilà. Il va falloir combler l'écart. Ça rentre aussi derrière pour Hülkenberg et pour une des Renault. Kevin Magnussen est au box. Ouais, ça rentre très très fort. Attention, il faut respecter les 80 km/h. Et ceux-là vont peut-être aussi passer par la case soft. On verra ça. Allez, avec le Danois. Qu'est-ce qu'on monte à Magnussen? Et voilà, on monte des pneus soft. Et il repart derrière la Force India qui, je pense, a également monté ces trains-là. Donc on va avoir pas mal de voitures en pneus soft et des voitures sur des hards usés. Ça va nous donner pas mal de différences. Et oui, c'est également des softs qu'a monté le pilote allemand. Ici, c'est le français Esteban Ocon et Samanor qui fait une course pour l'instant sensationnelle. Il est peut-être en train de nouveau ramener des points pour la petite structure britannique. L'arrêt au box. Et les softs pour la Manor. Donc ça n'était pas une si mauvaise stratégie. Puisqu'ils sont plusieurs à l'avoir choisi. Et le retour en piste de la Manor. Avec, bien voilà, Raikkonen. Et regardez Felipe Nasser qui est là derrière. Il avait eu un problème. Et il se retrouve désormais entre Hamilton et Rosberg. Et Hamilton qui doit absolument aller gagner ce Grand Prix face à Raikkonen s'il veut conserver ses chances au championnat. Ça n'est pas terminé, ça n'est vraiment pas terminé ici à Sepang parce que là, le podium peut passer d'une main à une autre. On a Van Dorn qui est en train de claquer le meilleur premier secteur absolu de la course. Voilà, on est avec Van Dorn. Notre avance sur la voiture de derrière est de 10,7 secondes. À la régulière, voilà le premier tour. Avec les pneus soft pour Van Dorn qui confirme son meilleur premier secteur. Palmer au stand avec la Renault dans les derniers tours de course. Attention. Et Ricardo qui peut reprendre une position en plus. Ça mettra du baume au cœur de l'équipe Red Bull. Et on met des softs à Palmer. Alors il faudra aller voir ce qui se passe en tête parce qu'il doit y avoir une explication pour la victoire entre Raikkonen et Hamilton. Il y a peut-être des retardataires qui vont commencer à jouer un rôle aussi dans les... Dernière boucle de ce Grand Prix de Malaisie. Allez, on est avec Van Dorn en pneu soft qui est en train de signer tout simplement quasiment le meilleur tour en course. Il va rester 4 boucles pour déterminer le nom du vainqueur. On va retourner sur la tête de course peut-être. Voilà. Avec Kimi Raikkonen qui va devoir contenir les assauts de Lewis Hamilton pour la victoire ici à Sepang. Et Hamilton avec le DRS qui va pouvoir se rapprocher de Raikkonen, mais pas à portée d'attaque, en tout cas pas ce tour-ci. Oh, et la lutte avec Vettel qui doit résister. Le DRS pour Nico Rosberg. Est-ce que l'Allemand va pouvoir en profiter? Il est sur l'extérieur, c'est un dépassement compliqué que tente Rosberg. S'il arrive à maintenir Vettel, il sera à son avantage à l'intérieur. Attention ici, les deux voitures qui vont devoir tourner à gauche. Oh, il y a un contact, les deux roues qui se touchent une première fois. Il n'est pas content, Rosberg, évidemment, puisque
Vettel résiste peut-être un petit peu trop. Lui qui est très pointilleux et tatillon sur les bleus, les drapeaux bleus. Et oui, je suis en train de regarder les chronos. Van Dorn qui est pour l'instant le deuxième plus rapide avec Raikkonen. Ce sont les deux pilotes les plus véloces en piste. Alors que Nasser se retrouve entre Hamilton et Vettel. Il va falloir faire attention à cette Sauber qui pourrait déterminer. Oh, attention! Le classement final de ce Grand Prix avec Van Dorn qui est allé au large. Il a des pneus neufs, il n'a plus d'excuses le Belge. Il doit se reconcentrer parce que là il a tout ce qu'il faut pour aller chercher un podium. Il est plus rapide, c'est sûr, que Rosberg et Vettel. À lui maintenant de nous démontrer qu'il peut aller chercher ces deux pilotes là. Et on est avec Nasser, non, c'est Marcus Ericsson, voilà. Pas mal de bagarres, hein. On cherche à suivre toutes les actions. Hamilton toujours plus proche de Raikkonen, mais pas d'attaque possible. Par contre, Nico Rosberg, lui, va pouvoir y aller. S'il sort bien de cette épingle, voilà. Rosberg qui est bien placé pour aller de nouveau chercher Sébastien Vettel au bout de la ligne droite. Ah non, ce ne sera pas suffisant pour l'Allemand. Et la vitesse de pointe de la Ferrari qui est assez impressionnante. Et derrière tout cela, eh bien, se passe quelque chose d'intéressant. C'est le retour de Van Dorn qui grappille, ouais, mais qui attaque peut-être un peu trop. Et derrière aussi, ça n'est pas terminé entre Bottas et Massa. Les deux Williams qui doivent ramener des points, elles en ont besoin. Au classement constructeur, on voit dans le fond de l'image Perez avec Romain Grosjean. Ils sont ceux qui ont profité aussi du Virtual Safety Car et qui sont désormais dans les points. Regardez le retour de Van Dorn, il est vraiment en train de faire la jonction. Alors qu'ici on a les deux Toro Rosso qui également depuis le début de l'épreuve ne se lâchent pas. C'est Sainz qui tente d'aller rechercher surtout Daniel Ricciardo qui est là devant. Ricciardo qui a été piégé après son premier salve d'arrêt au stand des pilotes moins véloces. Et bien il est reparti derrière les autres malheureusement. Le pilote ne nous proposera pas de Chewie aujourd'hui. Alors que l'on a derrière Kevin Magnussen qui lutte pour une place dans le top 15. On est avec Hülkenberg. En pneu soft, il peut aller chercher les pilotes devant lui. Hülkenberg, il a la vitesse. Regardez, voilà! Et c'est Felipe Nasser qui s'écarte alors que c'est en 1.39.030 que Kimi Raikkonen s'empare du meilleur tour en course. Voilà! Avec Stoffel Van Dorn, attention parce qu'il va tomber sur une voiture qui va peut-être le gêner. C'est Nasser sur la Sauber. Come on guys, blue flags, get this fucking Sauber out of my way, please. Oh, et Van Dorn qui n'est pas content à la radio, il perd beaucoup de temps derrière la Sauber. He almost pushed me off the track. Oh. Et oui, oh, il s'arrête en plein milieu. I know it's just breaking the middle of the course. It's impossible to drive with those guys. Oh, Stoffel Van Dorn qui est fou furieux dans la radio. Il n'a pas été très sympa avec Nasser qui s'est écarté. Now we're fucked. Impossible to catch the Ferrari now. Eh oui, on se rend compte du côté de chez McLaren que c'est terminé. Les secondes perdues ne pourront plus être rattrapées. Ah, quel dommage pour Van Dorn qui avait la course bien en main. How is it possible for him to not see the blue flags, guys? Oh, et Van Dorn qui vraiment, on l'a jamais vu comme ça. Alors que c'est le dernier tour. Dernier tour ici en Malaisie pour Kimi Raikkonen qui va peut-être amener une nouvelle victoire. Et Ferrari va peut-être placer deux voitures sur le podium. Tout dépend de comment Nico Rosberg va pouvoir, ou non, passer Vettel pour la troisième place. We're racing here, we're in Formula 1, that's not acceptable. Oh, et Van Dorn qui est vraiment furibar à la radio. Eh oui, et Nasser qui ne s'est pas écarté, mais il faut bien qu'il continue sa course, le pilote brésilien, même s'il est au fond du peloton. Et Van Dorn qui est très énervé, ça se voit dans sa conduite, il bloque les roues. Et on confirme aux Belges que c'est la dernière boucle. Attention, troisième place en jeu entre Vettel et Rosberg.
sur l'arceau de la Mercedes numéro 6 dans ce dernier tour. Rien n'est moins sûr pour Vettel de ramener ce podium. Les deux pilotes sont en pneus hard, évidemment. Ils ont été montés de manière assez proche en stratégie, donc pas vraiment d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Quelle explication entre ces deux-là. Et faut pas lâcher non plus la tête, parce que Raikkonen, il doit aussi le gagner, ce Grand Prix. Je pense que Vettel va réussir à résister à Rosberg. Je vois bien deux Ferrari terminer sur ce podium, parce que là, Rosberg semble avoir repris un peu d'air frais, reculant de la Ferrari. Je ne sais même pas, je pense qu'il sera dans la zone du DRS, mais impossible pour lui d'aller chercher une éventuelle victoire. Par contre, devant, eh bien, je pense que ça va être fait. Et voilà, c'est la victoire pour Kimi Raikkonen. Le pilote finlandais qui va remporter le Grand Prix, alors que Hamilton est deuxième. La troisième place sera pour... Eh bien, Sébastien Vettel qui complète le podium. Voilà, au passage du drapeau à damier. Et Van Dorn sera cinquième. On peut noyer quelques regrets du côté de chez McLaren, malheureusement. Rien à redire sur ta conduite. Tu as réalisé une excellente prestation. La cinquième place pour le pilote belge, finalement, qui s'en sort bien. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Et on découvre ensemble les résultats de ce Grand Prix avec la victoire de Raikkonen devant Hamilton et Vettel. Belle performance des Williams qui malgré tout n'étaient pas partis si bien sur la grille et se sont quand même placés toutes les deux dans les points. Romain Grosjean ramène une belle 10e place. Désillusion pour Daniel Ricciardo ainsi que les Toro Rosso qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Abandon donc pour Fernando Alonso que l'on n'aura pas vu à l'image malheureusement. On n'a pas de nouvelles de ce qui s'est passé pour le pilote espagnol, mais c'est sans doute une casse moteur. Le classement général, pas de changement. Égalité parfaite entre Hamilton et Raikkonen, c'est assez incroyable. 21 points de retard pour Rosberg. Voilà, le classement constructeur également ne bouge pas. Ça semble bien parti pour Mercedes, mais rien n'est encore décidé après ce Grand Prix de Malaisie. Merci à toutes et à tous pour votre attention à cette course. On vous donne rendez-vous très vite pour vivre de nouvelles aventures. Ce sera du côté de Suzuka au Japon pour un Grand Prix qui s'annonce aussi bien disputé. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste. Salut.